trouvent en effet des jobs par ce biais-là, mais qui ont également une première expérience, un premier échange avec l'employeur. C'est-à-dire que même s'ils ne trouvent pas forcément de job cet après-midi, bah, ils se sont déjà préparés au CV, ils ont déjà eu un entretien avec un employeur, etc. Après, au niveau des employeurs, on a généralement des bons retours parce qu'ils ont pu rencontrer énormément de jeunes en 2 heures, ils ont pu récolter beaucoup de CV, ils ont pu rencontrer directement les jeunes, ce qui est aussi un énorme gain de temps pour eux. Qui vont rechercher du travail pour l'été. On a 70 postes à pourvoir et on donne la priorité aux étudiants parce qu'on sait que c'est compliqué pour eux de trouver du travail. Donc on sait qu'en venant à cet événement, on aura beaucoup de candidatures et qu'on aura un échange déjà avec les personnes en direct ce jour-là. C'est cher les études et puis pour m'occuper l'été aussi parce que 2 mois c'est long. Ça m'a intéressé sur l'autoroute. Sur l'autoroute il y avait la restauration, sinon il y a toujours les centres aérés, des agences d'intérim pour travailler dans les usines, enfin dans n'importe quoi. En fait, je vais me retrouver un travail quoi. C'est une façon de leur montrer d'abord qu'il y a un tissu économique qui est réel et qui existe, leur montrer qu'on peut aussi vivre et travailler à Annonay, mais sur le bassin plus généralement, qu'il y a plein d'opportunités qu'on ne connaît pas, dont on est éloigné, et que parfois on découvre à travers des dispositifs comme celui-là, et en rencontrant toutes sortes de structures.